c'était rassurant, on travaille mieux. Ouais, c'est ça, on travaille un peu plus dans la bonne, enfin, dans la bonne humeur, même si on travaille tout le temps dans la bonne humeur, mais je veux dire, on est un peu plus soulagé, ou on va dire que le lundi, on savoure un peu la victoire du samedi, où on a vu un peu à la vidéo ce qui avait très bien marché, ce qui avait un peu moins bien marché, mais on s'est surtout accentué sur ce qui avait bien marché, et ce qu'il faut accentuer encore davantage pour les prochains matchs. C'est l'occasion de vous demander comment ça se passe avec la nouvelle recrue Dimitri Lénard, qui a déjà pris beaucoup d'importance dans le groupe depuis son arrivée. Qu'est-ce que vous avez déjà un peu appris de lui et de son expérience? Non, bah oui, bah Dimitri, on sait la carrière qu'il a, donc ça va être un plus pour nous et moi particulièrement dans le milieu où je vais beaucoup apprendre de son expérience, de sa vision du jeu, de son placement. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut travailler. On travaille beaucoup, on parle beaucoup entre lui et moi pour un peu diriger le milieu et pour mettre par exemple des axes de pressing ou pour les ressorties de balles, donc ça va m'apporter beaucoup à nous et tous les milieux aussi en général. C'est une nouvelle formule avec ce milieu de terrain où il y a un 6-2-8, c'est une formule qui vous réussit bien d'avoir un peu cette liberté finalement en sentinelle durant la défense. Ouais, bah c'est ça, après je pense que le coach s'est surtout adapté au profil des joueurs parce que Christophe, Jus et Jim c'est plus des offensifs où ils ont un peu leur registre. Mais accentué sur le jeu offensif, et moi je suis un peu plus derrière eux pour essayer de les couvrir, pour faire les ressorties de balles et pour gérer l'équilibre de l'équipe. Donc je pense qu'on va continuer à le travailler, tout n'est pas parfait, mais je pense que cette formule à 3, elle peut nous convenir à tous. Vous allez aller du côté d'Amiens, une équipe qui a plutôt bien commencé son début de saison. Ça peut être un bon test justement d'être dans une équipe qui est face à une équipe qui est un peu dans la même dynamique que vous. Ouais, bah là ils ont deux victoires et zéro but encaissé, donc même s'ils ont eu des victoires un peu à l'arrache à la dernière minute sur coup de pied arrêté notamment, mais on a vu à la vidéo que c'était une très belle équipe, ils ont beaucoup de vitesse, beaucoup de joueurs techniques, et donc il va falloir sortir un gros match. Je pense que c'est bien de les affronter d'entrée, il faut montrer aussi que nous on a nos valeurs, on a notre façon de jouer, et je pense que ça va être un beau match, mais faut avoir peur de personne, on les respecte, mais il faut avoir peur de personne et on va y aller pour prendre les 3 points. Est-ce que c'est pas finalement un peu un test match face à des équipes qui ont des ambitions comme Amiens, après deux équipes comme Valenciennes et Concarneau qui ont vraisemblablement plus de chances de finir en deuxième partie de tableau? Ouais, mais après faut pas s'arrêter sur ça, hein. C'est 11 contre 11, donc que ce soit Concarneau qui vient de monter, ou on a vu d'ailleurs que c'était une très belle équipe, ou Amiens. On a toutes nos chances et on va jouer le match à fond. Il faut être déterminé, il faut être sûr de soi et voilà, on va aller dans cet état d'esprit.